Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc aujourd'hui nous allons continuer Minecraft. Donc j'ai installé les graphismes détaillés, comme ça la qualité est mieux encore de vidéo. Je les ai mis parce que il va faire nuit. Je les ai mis parce que en fait Java a fait une mise à jour et du coup ça rame un peu moins sur le jeu. Donc j'en profite, je me suis dit pour fêter ça et comme ça fonctionne un peu mieux, on va mettre les graphismes détaillés. Donc du coup les graphismes sont beaucoup plus beaux que de base. Donc je veux dire ici d'habitude c'était des graphismes non détaillés quoi, c'était moyen parce que j'avais mis les graphismes de rapide. Donc il faut attendre que ce soleil se couche. Du fait qu'il prend son temps, hein, le soleil, il prend beaucoup son temps. Allez, vite. Le vite, 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 le vite. Ouhou, ouhou. Ouhou, ouhou. Ouhou, je pense que c'est bon. Voilà. Tantôt les chiens. Voilà, on y va. Direction, ma direction. Bon, j'ai pas mis les nuages par contre, hein, parce que si je mets les nuages, ça va être trop de trucs pour mon PC. Que mon PC, il faut pas oublier qu'il n'est pas puissant. Donc du coup, mettre trop de détails ou autre, c'est pas bon. C'est pas un PC de taré, c'est pas un PC fixe. Oui, ça rame moins, je suis d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer à. Voilà. Donc la vidéo s'arrêtera à 24-25 minutes. J'ai encore agrandi plus le let's play. Comme ça, vous pouvez en profiter amplement. Et c'est long. Et c'est pas trop court. Et je devrais penser à laisser en fait le temps. Du jeu jusqu'à 30 minutes je réglerai ça. Peut-être que j'arrêterai plus tôt avant, mais je veux dire ma limite, si je vais trop loin ça coupera automatiquement pour pas prendre trop de puissance de mon PC et faire un let's play de 4 heures ou enfin vous avez compris où je vais en venir. Automatiquement à 30 ou à 29 comme ça fait souvent, ça arrêtera Ici, ce sera dans les 24 minutes 40, un truc dans le genre, puisque d'habitude, ça fait de ce coup-là, ça met pas forcément 20 minutes. Ça donne l'impression que ça met 20 minutes, mais. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous piquez ici tout. Rien à foutre. Vous volez au PNJ. Parce qu'on en a rien à foutre, on est des connards. Parce que c'est des personnages, c'est du pixel, et on s'en fout, ils sont pas vus, ils foutent rien avec. Ils font croire qu'ils font replanter, mais rien du tout. Nous, on a vraiment besoin. Eux, ils n'ont rien à foutre. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont illimités. Là, vous récupérez tout. Voilà, dès que vous avez récupéré tout, vous tirez, vous prenez la fuite. Et vous y allez. Donc je leur laisse quand même un champ ici, il en reste. Je prends pas tout en fait. C'est bon, j'ai assez ici et au fur et à mesure j'aurai tout ce qui ça poussera quoi. Mais le but c'est pas tout prendre, hein, c'est prendre au moins une bonne dizaine de trucs parce que ici j'ai combien? Voilà, j'ai 50. J'ai 50 trucs de graines. De blé, enfin c'est pas mal, c'est utile pour le truc. On y va. Désolé pour les problèmes
de chat dans la gorge. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va très bien. Si tout va bien dans une semaine, dans samedi, j'ai prévu d'acheter une 3DS Pikachu XL parce que j'ai économisé beaucoup pour en acheter et en acheter une. Et c'est parce que ici, en fait, j'ai une 3DS normale et ça me suffit pas pour dessiner. On est bien d'accord, c'est compressant, c'est serré. Donc j'ai prévu de faire un transfert avec l'autre et tout. Ce sera beaucoup plus simple. Bien sûr, ça veut pas dire que je vais faire des vidéos où j'ai pas le truc de capture, machin. Peut-être que j'achèterai plus tard ce bazar. C'est plus pratique par rapport à filmer un écran. Je ferai peut-être. Ah, mais oui, mais il faut quand même un bazar pour filmer l'écran. Donc... Ah, oui, c'est juste pas, j'en parlerai celui-ci, comme je fais d'habitude. En fait, le seul pour le souci, c'est que après 30 jours, je dois désinstaller ce logiciel-ci avec lequel je filme et qui filme bien. Et après, je dois réinstaller parce que j'ai pas acheté le logiciel officiel Action, donc c'est tout. C'est la seule chose que je dois faire. Mais 30 jours, c'est pas mal quand même. Je peux faire pas mal de choses en 30 jours. C'est pour ça que j'en profite le max. De toute façon, comme on dit, quand on n'a plus internet, on s'est quand même plus publié. Donc, c'est pas très important. Ça m'empêchera pas, quoi. Alors. Lego de fer, oui. Je me suis fait un équipement la dernière fois, non? Oui, c'est bon. L'équipement a été fait. Le mec qui tourne en rond, tu sais, et qui sait pas qu'est-ce qu'il voulait. Ouais, je vais faire un truc. Wesh, quoi. Ouais. Ça me rappelle. Mon cerveau reprend vie. Oups. Hey, ni 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 ni. J'ai dit gna gna. Gna gna encore. Gna gna encore. Gna gna encore. Gna gna encore. Et encore. Mais non mais. Il est con ce mec. Là. Du bon pain de pays, eh. On dirait un peu de bordel. Rangeons tout ce. Ah. Alors, si vous pouvez me proposer comment aller faire pour aller plus vite pour mettre les objets dans l'inventaire, donc dans le coffre, proposez-le-moi. Comme ça, je sais comment faire. Parce que regardez tout le bordel que j'ai. Donc ça, je garde pas. Je sais pas qu'on appuie dessus. Mais je pense qu'à la base, ça, c'est possible. Non? Possible. Si, c'est possible. Non. Il suffit d'appuyer là. Non, marche pas, dommage. Je vais me faire un nouveau coffre. Voilà. Carottes. Mais carottes, je peux les planter. J'aurais plutôt deux options pour les bonnes. Ouais, je vais arriver après. Donc, voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas stopper ma vidéo. Donc, c'est un petit souci. Alors. Pas grave, j'irai après. Et je vais surveiller mon chien. Et mais tout le bordel que j'ai, quoi, sérieux. Bon, réglage d'inventaire bordélique, hein. Comme on dit, un jour ou l'autre, c'est le jour. Comment garder ça?
C'est pas très intéressant ce que je fais en ce moment. On est bien d'accord. Et en plus, j'ai plus de place, donc du coup, ça veut dire que je dois faire un nouveau nez. Je dois faire un nouveau nez. Bon, je dois faire un nouveau corps. Attends, mais c'est de la boue, ça. C'est pas du. C'est pas du truc. Je croyais que c'était du bois, moi. Donc, c'est. Quoique, faire un corps de boue, ça devrait être drôle. Ça devrait être drôle quand même comme anecdote, faire un coffre de boue. Oui mais du coup je fous, il y a un chien qui s'est foutu là. Faut pas retirer les petites garnitures. Oh bah tu vas quand même te tirer de là. Allez recule petit pouf pouf. Voilà, t'es bien là. Ah ouais merde, en fait de toute façon on sait pas. Ah fuck. J'ai rien dit, petit Wouhou. Tu pourras te remettre à ta place après. Allez, va. Oui. Allez. Aïe. Non, non, pas de chocolat. Non, non, mais là, t'es bugué. Ça va pas, c'est pas classe. Voilà. C'est bien, petit Wouhou, c'est bien. T'es bien mis, là. Voilà. Par exemple. Là, je sais pas à quoi je pourrais. Ah, ouais, oui, pour faire de la cobble, j'en prends 11. Objectif, ça, on va le laisser là parce qu'on n'a pas besoin vraiment ici. Ah, oui. Ah, ben voilà, nous sommes prêts. Pour rien parce que j'ai tellement pris de temps qu'en fin de compte, il fait nuit. Je sais pas couper moi-même, donc j'arrive tout de suite 2 secondes, ça va prendre plus que 2 secondes. Voilà, pas de problème, excusez-moi pour l'attente, normalement ça ne dure pas durer longtemps. Si j'arrive à couper cette séquence, vous n'en saurez rien, et au pire je ferai, j'ai eu un petit souci. Voilà. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Je pense avoir trouvé un où. Un logiciel de montage pour faire des montages. Tutu! Super! Merci à moi-même. Oui. J'ai juste un petit souci, c'est que je vais me faire des pioches. C'est ça. Non, mais non, c'est l'inverse que je voulais faire. Ah, j'en avais déjà, imbécile. Là. Oui, mais il me faut un établi. Ah, ben le voilà. Tu peux quitter. Allez, quitte. Bon, en fin de compte, vous allez me dire, ouais, ok, il prend un établi, mais en fait, il fait sur l'autre. Oui, d'accord. Et... Ah oui, c'est juste, il faut que je mette peut-être des trucs pour que ça fonctionne. Je viens de dire pourquoi tu fais des pioches comme ça. C'est justement pour économiser, quand même prendre de plus de bâtons pour les torches. C'est pour justement économiser le truc de. Donc économiser un peu de. Oui, je vais y arriver. C'est pour justement économiser un peu de pioches, quoi. La pioche en fer, j'économise. J'emploie pour les trucs importants. Donc si par exemple si c'est pour miner du
Allez, comment ça s'appelle? Du charbon. Tout ce qui peut se miner à la pioche en cobble, quoi. Eh ben, je mine avec la pioche en cobble. Ou en pierre, si vous voulez. Cobble, pierre. Ben, il me semble que pierre en anglais ça veut dire rock. Donc, après, je sais pas si c'est une pierre ou une cobble, c'est la même chose. J'en sais rien du tout. Donc voilà, par exemple, ça, ben, je vais miner avec ça. Ça prend un peu, tout petit peu plus de temps, mais c'est pas non plus waouh. C'est pas non plus frustrant, quoi. C'est une technique que je vous propose aussi de faire quand vous débutez, hein. Employer la pioche en fer pour les objets les plus compliqués. Oula, j'ai un lag. Pour les objets plus compliqués, plus. Les objets, les minerais plus compliqués. Oui, mais non. T'es taré et tout. On glisse. Ah, doucement. Non, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une chute d'eau. Bon, n'empêche, ça fait un petit truc pour remonter. Ah, si je savais remonter. Quoi, on me tape? Ouais, c'est pas mal en fin de compte, ça peut rester. C'est juste que c'était un peu gênant qu'il me pousse, il n'y avait pas besoin de me pousser pour autant. Vous voyez, j'ai des idées sans vouloir à moi-même. Je veux dire, j'arrive à faire des feuilles sans vouloir qui sont en fin de compte pas si mal que ça en fait. Pratique. Donc c'est plus vraiment un feuille, c'est plutôt une aide. Une aide du ciel. Vous allez dire, ouais, du point de vue du même. Oh, mon temps, mon corps, c'est quasiment tout le même. Oh, pardon. Je veux dire, dans le minerai, hein, la plupart du temps, je veux dire, c'est miner le but. Hein, donc. Putain, il y en a du paquet, là. Ah, j'étais un peu trop loin. Attends, parce que je vais reculer parce que. Ah oui. D'accord. Bon, je prends le risque alors. J'ai une épée. Troll. Voilà. Oui, on dit toujours vous mettre à droite ou machin, truc que moi j'ai rien à foutre. Parce que quand tu es dans le jeu, c'est différent, tu vois ça différemment. Ça n'aide pas forcément tout le monde. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais tenté à fond. Qu'il faut quand même être un peu concentré, à mon avis. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je mets à droite, moi, de toute façon, donc. Ah, j'ai un lag. Ça, c'est la map qui charge. Oh, bizarre, ça me rappelle quelque chose. What the fuck? Tout ce minerai. Merci de m'avoir retiré en cacahuété. Voilà.
Alors plus tard, quand j'aurai les moyens de trouver des potes pour faire des vidéos, des potes avec plus de connaissances, ou même si chez un jour, je sais pas, bon, sûrement pas maintenant avec la qualité que j'offre, je crois pas que ça sera le cas, mais le jour où je pourrai avoir des youtubeurs connus comme Frigel, Zelvac ou Stefano, enfin Zelvac non, il viendra pas, mais je dis Frigel, Stefano, ben, Super Rouillot, ou enfin j'en sais rien, vous avez compris où je veux en venir, qui pourront m'aider dans des trucs pour faire des petites aventures de noob ou quoi, parce que j'ai vu que Stefano en faisait des aventures noob avec Arc machin avec des numéros qui suit là. Le mec avec un dégât en boule qui est un arc machin. Arc-ciel ou arc, un truc comme ça. Ben, il fait des aventures de noob. Bon, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de contenu. Enfin, non, beaucoup de contenu, pas intéressant pour ma part, mais je veux dire qu'il y avait beaucoup d'abonnés. Il y en avait dans les 128 000, un truc comme ça. Donc c'est pour ça mon avis qui est accepté. Parce que je pense pas, en fait, je pense, je suis pas sûr que si, par exemple, vous ou moi, qu'on a que peu d'abonnés, on a que 100 ou 27 comme moi, j'en ai que 27, j'ai que 27 abonnés, eh ben, il va pas venir parce que justement, il va trouver qu'on n'a pas assez d'abonnés. Et j'en suis sûr que ça aura rien à voir avec le contenu. Il va faire croire sûrement que c'est avec le contenu, mais non, je suis pas sûr. Je pense que, ou alors il faut qu'on se connaisse, peut-être c'est possible. Ouais, mais je pense pas qu'il connaît forcément tous les youtubeurs qui proposent mon invitation, c'est un peu fourbe. C'est pour ça que je suis un peu méfiant aussi en même temps. Après, peut-être que je me gourre, je me trompe, peut-être que je me gourre et que ça sert à rien à voir. Peut-être qu'il suffit de pas forcément avoir beaucoup d'abonnés, tant qu'on a du bon contenu, alors du bon contenu, ça va, on a accepté et on peut avoir faire des vidéos. Mais après, il me semble que j'ai entendu par rapport à une légende que les youtubeurs comme les youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, ils t'accepteront pas si tu as pas au moins dans les 100 000 ou enfin au moins plus ou moins un bon équivalent de enfin pas 100 000 mais je veux dire dans les 1 000 abonnés que ça soit bien actif. Si tu n'en as que 100 ou 50 plutôt ou 27, je pense pas qu'ils vont t'accepter. Après peut-être que je me trompe, hein, je ne juge personne. J'ai pas j'ai dit un mot. Peut-être non non j'ai pas je pense pas avoir dit le nom d'une personne. J'ai donné un exemple de personne, donc pour le nombre d'abonnés qu'il y a, mais j'ai pas dit que c'était elle. J'en sais rien. Ah oui, j'ai dit que Sifano a participé à. Ah oui, ça oui. Mais j'ai pas dit que qu'il ferait comme. En tout cas, si au cas où je l'ai dit sans vouloir, je vais m'excuser. C'est pas ce que je me suis mal exprimé. Parce que je tiens pas à avoir des ennuis non plus avec ça. Surtout que Sifano, j'aime bien. Il est sympa, il est super sympa. C'est juste que. C'est juste mon point de vue, quoi. J'ai peur que les youtubeurs comme Sifano, donc pas forcément qu'ils ont la même personnalité de Sifano, mais juste par rapport aux abonnés, au nombre d'abonnés, en fait, ils accepteront pas des gens comme nous parce que on a trop peu d'abonnés. Et j'ai peur que même si on a beaucoup de contenu de bonne qualité, on sera pas accepté. Parce qu'ils veulent que. Enfin, je sais pas, c'est pour donnant-donnant, en fait, à mon avis, c'est peut-être pour ça. Après, peut-être que je me trompe. Hein. C'est pour avoir aussi des abonnés en plus. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, hein, comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est que mon point de vue. Hein. Faut droit à m'exprimer à ce que je pense. Après, c'est pas très grave. Bon, ben, d'ailleurs, j'ai. Apparemment, on arrive à 42. Je vous dis à bientôt et à plus.